namakasi na maite nanguya nanga boya namolingo nayo na bengi bango lelo baye babango moko yango je les ai invités aye aye nanguya nanga c'est couple boulevard couple boulevard bangoana je les aime beaucoup la ligue bango mingi disengo ya mokili koti zambele ya pambola kaba la sate yemba yomoko namakasi nangaite nanguya nangaite namakasi nangaite nanguya nangaite namolimo na ye papa nangai namoni bafeve bamoni na mwanda nambanda kakoloba te toza kozela mosusu bipai nyonso makasi ya baruti te Momo Santue Nobody's too sweet.
Bamarabu bazangi baklia eh. Bamarabu bazangi baklia oh. Bamarabu bazangi baklia eh. Eh Israël. Bakomi. Bamarabu bakomi kosuka. Nakombo na Yesu Masia. Bakomi kolala nzala. Banganga kisi bazangi baklia eh. Nikolo na Yesu Masia bakomi ndeko kufa nzala o akoki na lokumu Yesu mobali kitoko Masia nikanga na yembela yo bali kitoko Yesu Masia. C'est comment? Naturellement, il va être dégagé. Wabiye. Maintenant, tu nous vas dire. L'équipe est la moine et tout. Yepoa, Wabiye. Qui sont ici sont en train de souffrir. Le ciel n'est pas fâché.
Parce que nous sommes en train de kuyimbila yepoa. Bon, tozo kuyimbila yepoa. Amen. Amen. Naimsa kabino kenga zakasonga. Mena bondimi. Je vous ai toujours dit que je suis Kasonga. Et les voilà. Même si vous chantez n'importe comment, il faut un peu de chilou balaza. Oko yimba nengo lingi. Mais kozangisa kigrekte. En tout cas, je suis très content. Merci Pelimingi Benza. Je les avais invités. Ils sont venus avec des CD. Bayena ba CD. Et je vous recommande ce CD là. Pe na sengi bino bosomba ba CD yango. Mama nanya zokende kuna. Kilapi. Omoni kana ebi bilo nyoso. Mama kilapi na ebi peyo ha. Bosomba ba CD wana eza malamu. Acheter les CD, c'est ça coûte rien, mais ça vous redonne l'onction qu'on avait à l'église. Et ça, on va me dire que si vous en moi et pas que l'autre qui n'a pas le savoir. Alors, vous êtes sur les lits, vous sentez que l'onction revient. Amen. Amen. Bon, on peut se lever pour lire la parole de Dieu. Je vais prêcher sur l'agneau et la colombe. Amen. Je voudrais vraiment être bref, mais c'est l'esprit qui me conduira. Je crois que vous connaissez ça. Nous lirons dans Jean chapitre 1er. Depuis le verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Yohane atatoliete. Namoni molimo. Zaliko kita. Et lokola ebenga. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste. Nous voulons que tu nous enseignes. Tolingi yo te abiso. Nous voulons sortir ici. Changer. Nous voulons sortir ici. Adieu. Aide-nous, Seigneur. Même moi-même, j'ai besoin d'un changement. Nous ne sommes que des hommes. Bénis la parole. Place ça dans nos cœurs. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a un message? C'est vraiment seulement l'onction. Quand l'onction vient comme ça dans l'église, moi je suis très content. Ça montre que Dieu est au milieu de vous. Je viens de vivre ça à Mwanda, mais c'est extraordinaire. Vous avez vu à la télé. Vous ne pouvez pas jouer. Mais c'est qu'ils attirent. Même à Rigini ici. Ah, on a Rigini. Vous ne saurez plus faire ce que vous voulez. Vous commettez une erreur, le Saint-Esprit part. Vous retournez sur le droit chemin. Je voudrais prêcher sur l'agneau et la colombe. Vu la condition de l'église. Frère Bana m'a prêché cela. Pourquoi?
Onanini. Il dit, je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. Alobi na banziete nzoto na Yesu nden zoto eleki na bokono onga na ebi. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre. Elingoloba nzoto emo na gate ya Christ na mabele. Il est très malade. Ezana bokono makasi. Qu'est-ce que le 7 suit paragraphe 3? Quand Frère Branham a vu cette condition, il a prêché sur l'église et sa condition. C'est ce que nous appelons l'agneau et la colombe. Il a prêché cela en parabole. Vous ne puissiez pas dire, ah, on m'a prêché moi. Pour que vous puissiez vous-même savoir si vous êtes un agneau ou autre chose. Frère Branham dit, nous venons à l'église. C'est le paragraphe 21. Je désire vous parler en parabole de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Mais, frère, écoutez-moi bien. Nous venons à l'église pour nous améliorer. C'est Frère Branham. On ne peut pas être toujours la même chose. Maman. Bongwana. Change quand même. Tatou. Bongwana. Change quand même, Tatou. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons à l'église pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes. Toi-même, tu viens pour écouter la parole pour faire de toi-même meilleure personne. Des meilleurs chrétiens. Des meilleurs citoyens. Des meilleurs pères, de meilleures mères. Et des meilleurs voisins. Alors, lui, il est particulier. C'est toujours le paragraphe 21. Il est différent. Papa, oui. Ce papa-là. Ah, il est croyant. Le témoignage doit venir des autres. Moi je suis très bon. Quand on te voit à travers le miroir et qu'il parle. Je prêche comme si ça c'est ma dernière prédication. Tu devais aider quiconque veut aller dans l'enlèvement. Mais nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Il y a certaines églises, vous allez là-bas, vous devenez pire. Tu étais mauvais, tu deviens pire. C'est des critiques. La prostitution. Kindumba. Et qui parle du pasteur lui-même. Et bandit na mokengeli yemoko. Et les bancs. Bongo ba mosusu. Oui, ba fani la banc. Bongo ba zan likam. Ceux qui sont sur les bancs. Ils te voient, toi qui devais être le modèle. Yo, zene ou zanda kisana bango baza komo na yo. Avec les soeurs dans l'église, c'est fini, non? Na bande go basa l'osambo. Et sili. Le corps de Christ, Frère Branham dit, est malade. C'est pour cela
Je vis avec le médicament aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le docteur Jésus avec moi. Non pas pour seulement le corps. Parce que le corps peut être guéri aujourd'hui et redevenir encore malade demain. Mais pour l'âme aussi. Parce que quand l'âme est guérie, c'est une fois pour toutes. Vous avez la vie éternelle, c'est une fois pour toutes. Il faut que chacun vérifie. Qu'est-ce qu'il est exactement? Qu'est-ce qu'il a comme fruit? Moto na moto, aluka komiye ba yemoko. Abota kambumani nazali nani penza. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Baeba kanzete nambumana yango. Amen. Amen. La parabole c'est l'agneau et la colombe. Lisese yango lobelinde mwana mpate na ebenga. Nous quand on était enfants, c'était Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine. Et il disait le lion et l'agneau. C'était le corbeau et le renard. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. C'était des paraboles. Et ça qui m'a cessé. Vous pensez que c'était vraiment un corbeau? Mais vous tirez des leçons là-dedans. Amen. Amen. Jésus est représenté ici, Yesu, là où nous avons lu comme un agneau. Et pas tout le temps, Yesu a tellement le col à moi n'empaté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la moi n'empaté, dans Zambie, alors la masse mounion chamokili. Jésus est appelé agneau. Yesu a bien gagné moi n'empaté. Amen. Amen. Mais ici. Le Saint-Esprit est appelé colombe. Pourquoi? Parce que la colombe ne peut descendre que sur l'agneau. Donc le Saint-Esprit ne peut descendre que sur quelqu'un qui a la nature de l'agneau. Pas sur un loup. Non. Pas sur un cochon. Vous me comprenez? Le loup est colérique. Qu'est-ce que le pasteur a dit? On ne joue pas avec moi. Le Saint-Esprit s'envole. Mais le Saint-Esprit ne peut descendre que sur quelqu'un qui a la nature de l'agneau. Parce que l'agneau se laisse conduire. Parce que le Saint-Esprit vient pour qu'il puisse vous conduire. Non pas pour que vous conduisez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Vous allez conduire Dieu? C'est impossible. L'agneau ne connaît pas beaucoup de choses. Il n'a pas la prétention de je connais plus que le pasteur. Non. Il se laisse conduire. C'est pour cela le Saint-Esprit viendra sur lui. La colombe vient pour conduire l'agneau. La colombe, c'est un oiseau pur. Azandeke moko ya peto. Quand on cherche la paix, on envoie la colombe. Natango batoluka kimia batinda ka ebenga. C'est pas vrai? Boete. Une colombe blanche. Ebenga ya pembe. C'est pour vous dire que la paix. Kimia. Nous voulons la paix. Dolingi kimia. La colombe représente la paix. Ebenga talisi kimia.
C'était un oiseau amoureux. Aza ndeke oyo ayebi kolinga. Il faut voir comment il recoule là. Et son épouse là est comme ça. C'est ça la colombe. Et bengande yewa rempli d'amour. Atonda na bolingo. Vous croyez cela? Bonimi yango. La colombe est très très douce. Et benga azana bopolo penza ya solo solo. La colombe a la douceur. Et benga azana bopolo. Quand la colombe vient sur toi, il vient pas pour te créer des problèmes. Mais si c'est un corbeau qui vient sur toi, et tu auras déjà peur. Parce que c'est un charognard. La colombe n'a pas de bine pour manger quelque chose qui est pourri. Non. Et la colombe a de l'huile qui sort de l'intérieur pour que toutes ces poils, ces plumes remplies d'huile. Je veux lire. Mais lorsque Dieu, le Père, Jéhovah, voulut se faire représenter lui-même depuis les cieux, il se fut représenté sous la forme la plus douce. Humble. Donc, c'est l'oiseau le plus humble de tous les oiseaux. Deux points. La colombe. Dieu ne viendra pas sur un orgueilleux. Nzambe akokita te likona moto na lolendo. Te. Puisque tu lui remettras toute la gloire. Po osele ko pesa yenke mbonyoso. Mais si tu es orgueilleux. Soko tona na ngambo. Oh, c'est moi. On gagne. Vous ne me connaissez pas. On vous obinga tia. La colombe. Et benga. On l'a bien étudié. Bayekolie malamu. Ce n'est pas un oiseau sauvage. Azande ke makambo mabete. La colombe est une amoureuse. Et benga atonda bolingo. Une colombe est douce. Et benga azana popolo. Une colombe n'a pas de bile. Et benga azana mbuma likundu mabete na kati na ye. C'est le seul oiseau qui n'a pas de bile dans le monde. Il n'a pas envie de pécher. L'envie de pécher. C'est le péché. Je crois que vous me suivez très bien. C'est une question de nature. Aujourd'hui, cette nature-là mauvaise doit changer. Les loyaux, le lengena ma bewana et singeli ko bongwana. Il dit remarquer le corbeau. Ah, bipota la yanganga. Remarquez comment? Comme le corbeau est un type de l'hypocrite. Et yanganga, azande lilingi ya bimota bilongi mi balé. C'est le paragraphe 28. Okosi. Tuki mbale na mwambe. Le corbeau peut se poser sur un charogne, une charogne. Et yanganga ko kitali kona biloko ese pola. Et en manger autant qu'il le désire. Puis s'envoler vers le champ et manger aussi du blé. Mais la colombe ne le peut pas. Il ne peut pas manger du blé et ensuite aller manger une charogne. Non. Parce que à l'intérieur, il n'y a pas une. S'il mange la charogne, il meurt.
Un chrétien ne peut pas être aussi dans l'église et puis dans la boîte de nuit. Moi, je ne comprends pas. Mon Christ, à cause d'atteindre un balamogo, à zara le sambo, si malango a qu'une dans la boîte de nuit, n'engagez pas comprendre la moitié. Est-ce que vous comprenez? Vous comprendre l'ango? C'est une question de nature. Eza ndenge yo zala kapenza, lo lenge na yo. Si on vous dit qu'on a trouvé le pasteur Baruti dans une boîte de nuit, c'est qu'on m'a déjà tué. So qui baibisio, tokuti mokengeli Baruti, na boîte de nuit likoloba, azaki bembe nanga inde kuna. Baboumingaï, Baboumingaïti, na boîte de nuit. On m'a tué ailleurs, ma côté, la boîte de nuit est bimbé. C'était mensonge. Et que ça le coûta mon aîné. Na kota te, na kota pété. Je suis jamais entré, je n'y entrerai pas. Quand je dis je suis jamais entré, c'est vrai. T'as mis na kota te, solo. Et je n'y entrerai pas. Pe na kota kuna te. Qu'est-ce que je vais chercher là-bas? À l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui va m'amener là-bas. Et moko ezate po me manga na boîte de nuit. Po seli ko bongwana. La brebis. Moi n'a pas l'agneau, vous ne le verrez jamais dans la poule. Moi n'a pas été à kokende komi balola na poto poto ata mokolo moko te. Jamais. Et ko sala maté. Vous voyez là un agneau dans la. Mon empata, son mi balon la carte à poto poto. Et il est content. Péazo CP là. Ah, maman, yo yo, gagné, soit ça la cabala, bro. Bina grand, yo, papa. Vas-y, maman. Bina dobolo, calme-toi. Papa. Danse comme tu veux dans la boîte. Tika biso tranquille. Laisse-nous tranquille à l'église. Loke tout nous, tout kakabouille. Loke tout ke est ouest. Alors quand il y a leur musique là qui joue à Kangamote Mati à Kangi dans nos chambres. Sauf que musique est bandée dans la cour, la chambre à Fongli Radio Boy à Kangi Porte. Ma frère, vous allez là. Les frères sont. Ça fait une soeur qui m'a parlé. Ne commence pas à répéter les camas et Salema. À Boukaninye. Elle a dansé comme il faut. J'ai dit, ah, maman, elle fait ça. Osa Boy, Osa Kibongo. Oui. Eh, pasteur. Je suis venu pour que tu pries pour moi. Tu dois changer de nature. Bongolande lo lenge. Tu es avec les aigles au-dessus. Nami pepe kuna otambole longona mba pongo. Et tu descends. Okiti na mabelewa. Tu es comme un chien. Okomi lokola mbwa. C'est qui? Nani ango wana? Chauve-souris. Ngembo. Bapuku bakoboya yo. Les souris, ils vont pas te recevoir. Et les oiseaux aussi auront peur. Bandegebe bakobanga yo. Quelle est ta nature? Yo loba penza oza nani. Ça commence à pénétrer. Et bandigo kota. Il dit, mais l'agneau est si doux. Alobi kasimo na pate azana bo polomingi qui peut être conduit na olengete akokondima akamba bakambaye. C'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau yango na nzamba takaki Christ lokola mwana pate qui s'est représenté lui-même comme la colombe paye moko nzamba mitali lokola ebenga. Paragraphe 33 tout commissaire ton ami ça très doux na bo polomingi. Quand le Saint-Esprit dit, non, ça tu ne peux pas faire. Non, ma fille. Tu ne peux pas faire ça. Tu es une chrétienne. Je vais garder ma virginité. Seigneur, pardonne-moi. Je vais garder ma virginité. C'est la nature. Une autre venue me dire, pasteur, Mokengeli, c'est vrai. Ya solo. Ce que tu prêches là, nous voulons ça. Je te suivi à la campagne. Dans la campagne. Mais talaga ndenge na za. Mais voilà comment je suis moi. Moi c'est qui toque. Une belle fille comme ça. Je dis ah bon? Oye ba, toza moi c'est qui toque. Donc tu sais que tu es une belle fille. Qu'est-ce que tu me dis? Oh lobi nanga ninga. Le professeur moko ya université azoka mananga. Il y a un professeur qui s'attache à moi. Ou PDG moko. Un PDG, disons. Et
Je suis de Kisangani. Ngana uta Kisangani. Mon père est déjà mort, je vis avec mes petites sœurs et papa mes petits frères. Qu'est-ce que je vais faire? Nasala nini? Et cet homme-là, le PDG me veut en pantalon. PDG n'a comment on gagne un pantalon. Et des fois dans la chambre, il dit Balouka, attends, na Balouki. Dans la chambre, il me dit tourne-toi un peu, retourne-toi encore. Je vous dis la vérité. Ma kamba solo benza. J'ai dit hé. Ma dit oh. Comment cette femme va être sauvée? Moi, je suis à Kobika Ndengenin. J'ai dit est-ce que toi tu aimes ça? Natuni yo se pela kana yango? Oh, na ngiango te mais. Non, j'aime pas ça mais. Alingiango. Ah, elle aime ça. Je ne la vois plus. Namona quelle ce soir? Portée disparue. Allie-moi. Mais cet homme-là, là, je t'en père. Oui. Mon père, Azana Mibouya, papa na yo. Iyo. Il m'a acheté une voiture. Il m'aide pour les études. Maman. Maman. Ma fille. Mon angaï. Ne fais pas ça. Pour ça la bongote. Tu dois. Personne zoto no kilo. Tu es une petite fille. Respecte-toi quand même, Ozamo na moki ozailenge. On doit te marier. Parce que bala yo. L'agneau et la colombe. Mon ampaté na ebenga. L'agneau préférerait mourir que de faire une chose comme ça. Mon ampaté ko se bela ba bomayé. Nesika osala mabewana. C'est honteux. Ezana soni mingi. Une brebis dans la boue. Mon ampaté na kata ko botali ba luza bon. Ça n'existe pas. Et ko osala maté. C'est une question de nature. Eza likambo lo lenge. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Luka libati ya molimo santu. Amen. Frère, bandeko. Vous n'aurez pas raison devant Dieu. Okolonga te liboso na Nzambi. Parce que Jésus aussi a souffert. Po Yesu pa nyoka maki. Et aussi on va te présenter là-bas une fille qui a souffert plus que toi. Quand nous allons te juger, comment il a réussi à garder sa virginité? Et deux fois, vous allez une seule fois le sida. Une seule fois, mimba. On ne voit pas comment elle va accorder. Je viens de Mwanda. Na oti Mwanda. Maman Fou, vous avez suivi l'histoire. Maman Fou, l'anda qui solo. Un papa n'avait que une seule fille. Papa moka botaka mwana mwasi kaka moko wana. Et ce papa aimait beaucoup sa fille. Pe papa ngwa lingaki mwana mingi. La fille est allée à l'école supérieure. Mwana ngwa kena kelisa likolo. Et la fille a aimé un garçon. Pe akeko lingaka. Où un garçon l'a aimé. Donc mbali moka lingie. Elle a rendu grosse. La fille a dit, ah, papa, non. Papa ne supportera pas ça. Allez, bazui, moutouka. Ils sont venus ici. Et l'aventurier, il a essayé d'enlever. Et lui a dit, tu vas mourir. J'ai échoué. Avec des gilets et tout ça. Le sang coulait, il dit, tu vas mourir. Donne-moi le numéro de téléphone de ton père. Avant de mourir, elle a donné le numéro. On a appelé le père. Qui avait écouté ça? Le père est devenu fou. Tu as suivi? Et le père a couru, on ne sait pas là où il partait. Papa, potimbango, tu habites là où il est. Il pouvait entrer même dans les forêts du Bas-Congo là. Seul. En train de marcher. Ma fille. Pour un petit plaisir de 5 minutes. Tu vas détruire la réputation de ce message. L'agneau. Et la colombe. Na ebenga. Si tu as le Saint-Esprit, il t'aidera. Il t'aidera. Il t'aidera. Il y a un frère, je vous ai raconté ça. Il
Il avait prié, Seigneur, pourquoi je ne fais que tomber avec les femmes? S'il est là, qu'il ne se lève pas. Il était chauffeur taxi. Azaki taximan. Et il a amené encore une fois une femme à l'hôtel, tout près de chez moi là-bas. Et il attendait la femme pour que la femme puisse se déshabiller. Et lui, il était déjà nu. Et la femme s'est mise à genoux. Oh Dieu! J'avais prié que tu puisses me protéger. Voilà ici, je vais encore tomber. Frère, là, tu as le calcium. Et puis, là, tu as le pantalon. Quand la femme a terminé la prière. Moi, c'est si c'est le bon bel naïe. Frère, tu n'y es. Tu pries. Au sein de la gare. Oui, je suis dans le groupe de réveil. Oh, on est dans le groupe de réveil. L'église de réveil. L'église de réveil. Il dit, là, t'as mis la main. Et il a dit, bon, moi, je m'en vais. Mais toi, où est-ce que tu pries? Il avait honte de montrer là où. Moi, si pas tu m'as dit, bon, moi, je suis au sein de la gare. Mobile a sonné le ballon, ça ne fait pas ça. Ils sont sortis, il est venu chez moi, il s'est jeté à genoux. Je dis quoi? Babimi kule pa bazaki boye, mobala e pa na nganda ko badiko lela, lokola ngulu. Nini boye? Voilà la journée. Na moi penza. Je dis quoi? Na tuni likambonini. J'ai l'esprit de publicité à moi. Lo bengana mlo ya pite kati na ngai. Tu n'es pas marié? O balate. Oh non. Oh tu n'es pas balate. Marie-toi. Mais les sœurs sont là. Ba la bande ko basi bazali. Dieu l'a coincé. Nzambe a kangie ko kanga. Je crois qu'il tombera plus. Na banza a quoi insulter? Dieu sait comment t'attraper, tu lui appartiens. C'est pour cela qu'il faut prier. Yango ana bosseli ko sambela. La colombe sait ce qu'il fera. Et benga ebi oya ko sala. Oyebi motema na ngai nyoso. Yo yebi na lingi na salela yo. Le bon Dieu, oyebi motema na ngai nyoso. Parce que toi tu es faible. Mais lui, yeah. Il accomplira ce que toi tu veux. Oh yo lingi. Lui il est fort. Yaza makas. Il est fort. Azala makas. Il peut changer les choses. Ako bongo la makambo. Nous venons à l'église pour être des meilleures personnes. Tu vas quand ensemble pour tomber à bateau malam koleka. Amen. Amen. L'agneau est doux. Moi, n'en partais qu'un abo polo. Innocent. Aïbi ma bête. Il réclame pas de ses droits. Abo tu n'as ma coquine a été. Se laisse conduire. Ati kaka été bakamba. L'agneau n'est pas intelligent. Moi, n'en partais ça ma elle mingité. Un agneau très intelligent, faites attention. Moi, n'en partais y a ma elle mingi keba na yé. Vous risquez de conduire la. La colombe. Les kamezali, moi n'en pâte pas ni au kamba et benga. Quand vous pensez que vous commencez à conduire la colombe vous a déjà quitté. Sauf que au kanisé te yonde ko kamba et benga. Et l'incoloba et benga, c'est à tikayo. Dieu, Nzambe, vous ne pouvez pas le conduire. Au go kamba et te. Non. Te. Non. Te. Dieu connaît. Nzambe ayebi nyonso. Il connaît votre nom. Ayebi kombo na yo. Il vous a connu avant même que vous soyez dans ce monde ici. Ayeba ki oli boso botama na mokili oyo. Et il connaît votre faiblesse. Pe ayebi bolembu na yo. Vous devez simplement vous abandonner dans sa main. Yo mitikaka na boko na ye. Oh Jésus. Oh Jésus. Quel est cet agneau là? Moi n'en pas tenir ni wana. Qui vient à l'église avec Cola.
akoya na losambo elambe fini. Mibali yango lelo bakoyoka. Mais ces frères là, ils verront quand je passerai. Ah, maman. Oh maman. Ozoteka nini. Qu'est-ce que tu exposes? Demande d'abord à la colombe, est-ce que tu es content? Tout non le benga. Son ala ti bona bimi yo sepeli. Est-ce que je dis la vérité? Na lobi solo. Na mo kale so mu kioti na se nyoso dessiné. Na elamba akati nyoso ezo mona na libanda. Ah. Biso so leki ango ngaza 67 ans. Nous on a déjà tout dépassé là, nous on a 65 ans. To longi. 67 ans. Na longi. On a déjà gagné nous. Na kosi mo si na ngatamba mo kote. J'ai jamais trompé mon épouse à moi. Mais vous allez détruire les jeunes frères ici. Oko baby c'est la biso bilenge mibali malamba qui sur azalea. Celui qui vous regarde. Moto ya talio. Pe aluli yo na motema na ye. Et il te convoite dans son cœur. Commis adultère avec toi. Asi azalea kobona yo. C'est écrit. Et komama. L'agneau est digne de moi l'évangile. Moi n'ai pas été à Longo Banas en Romalam. L'agneau est doux. Moi n'ai pas été à Bopolo. Humble. Non, comment qui dit ça? Innocent. Avec ma bête. Même les sœurs catholiques s'habillent bien. Ata Baniango, il y a catholique ou balata Ramalam. On commence des fois à exagérer. Bisopé, demandez qu'on l'ait gisandelo. Nos jeunes sœurs. Bilenge na biso ya basi. Je ne suis pas contre vous, je vous aime. Na telemi binote po na lingi bino. Voyez, qu'est-ce qui vous pousse à vous habiller comme ça? Kasi luka oyeba. Et l'ogoni etina kayola tandenge wana. Je suis sûr que ce n'est pas la colombe. Na ebeta ebengate. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Moli mon sang touté. Là, je suis sûr. Wana ebiango malam. Le Saint-Esprit ne peut pas être contraire à la Bible. La Bible dit qu'on doit s'habiller comment? Décemment. Avec quoi? Nanini. Pudeur. Na moi sonia bomoto. Et toi? Nanini. Modestie. Na komi ki dit ça. Basuki komi jaune. Avec tes cheveux jaunes. Nous les noirs, tout ça, nous avons des cheveux jaunes. Bisous, les noirs, on n'a pas de cheveux jaunes. Tu es baka qui a. Tu es baka qui a. Bakisia. A toi aussi, Bekate. Elle n'a pas respecté Beka. Vous pouvez ajouter vos cheveux. Bakisia na yosuki. Mais que ça soit naturel. Kassiesa, le col à souki à moto. Si vous m'avez compris, dites amen. Selon ce soir, le bas, amen. Mais quand c'est jaune. T'as comme une mosaka. Les cheveux blonds, c'est pas donné aux noirs. Souki yaba blonde et pesame la basi à moindoté. Quand je vois, je dis, hé. Dans la robe, on le dit, hé. Oui, mon délé, oh. Est-ce que c'est une blanche? Oh. 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 Jésus, après son baptême. Si manes ko zo libat ici. La colombe est venue se poser sur lui. Et benga qui t'a dit gonaï. Est-ce que la colombe peut venir sur toi aussi? Et benga ko qui t'appelle gonaï yo penza? Vous croyez? On dit mi yango bongo. C'était un grand jour. Ezaki mokolo kitoko. Le ciel et la terre s'étreignirent. Lola nama belesa et yambanaki. C'est ce que Dieu fait dans son église. Il veut que vous puissiez devenir un avec lui. C'est quoi que vous me comprenez? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Oh, moi aussi j'irai au ciel. Oh, n'a pas. Quel ciel? Lolo wapi.
La ciel n'est pas fait pour des orgueilleux. Le ciel n'est pas fait pour les prostituées. Le ciel n'est pas fait pour les menteurs. Dehors les menteurs. Libanda bakosi. Ce n'est pas écrit. Et comment dans l'Apocalypse. Si je vous dis pas ça, je suis un mauvais pasteur. Il faut que votre nature change. Et yo et bongwana. Oh, je suis maman diacre, je suis ceci. Moi, oh, je m'en fous. Diacre, et moi, je m'en fous. Et je suis maman diacre. Oh, diacre. Mais ta vie. Kasi bomo inayo. Tu devais être meilleur aux autres. Yo, c'est vos amas là, mon collègue, basi mon sous nyonso. Oh, je suis pasteur. Je oh, m'en fous. Masa mokengeli. Mokengeli. Nasa mokengeli. Moi, je m'en fous. Et talingaite. Ta vie. Bomo inayo. Est-ce que ça montre que tu es un chrétien? Bomo inayo, c'est que tu es aux amas mon Christo. Toujours fâché. Toujours fâché. Tant on se regarde au silica. Dictateur. Dictateur, ma gambanko. Tata ya moana ndimi. Baba la moana yé. Le papa est d'accord qu'on prenne sa fille en mariage. Le pasteur dit non. Maman l'habité. Moi je ne suis pas d'accord. Mon gang est l'habité. N'a ndimité. Mais qui est le papa? Chico, papa ndé nan. Toi? Yo? Le père, j'ai toi, tata ou ya botay. Oh, je suis pasteur. On gagne mon kengeli. Appelle-moi pasteur. Oh, bengai mo kengeli. Au ciel. Nalola. Il y aura pas de pasteur. Ba kengeli ba kuzalate. Non 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 non. Tete. Nous serons tous des frères et des sœurs. Bisanos to kuzaka bandeko. Ce qui est plus grand, c'est d'être un frère. Mosanda likolo koleka ezando za ndeko. Alors un bon frère. Zala ndeko malamu. Une bonne sœur. Yamobal tu yamoisi. C'est tout. Et Silinam. Rappelez-moi pasteur. Oh ben mon kengeli. Je t'appelle au pasteur Tara. Non ben le pasteur Tara. T'es mes tondinansai. Rappelez-moi pasteur. Abinga mon kengeli. Rappelez-moi pasteur. Abinga mon kengeli. C'est une erreur. Ezali bunga. Nous appelons frère Branham, frère Branham. Ndeko Branham to ben gaye, ndeko Branham. C'est pas vrai? Boyete. Frère Branham. Ndeko Branham. Et moi, on doit m'appeler pasteur. Et bon, pasteur. Vous êtes dans mon église, vous pouvez m'appeler pasteur Baruti. Bino bandeko lo sambo na ngai boko bianga pasteur Baruti. Mais j'arrive là-bas ailleurs dans une autre assemblée. Na komi alosa mon susukuna. On m'appelle frère, je dis écoutez frère, je suis pasteur. Ba bengai ndeko ote na ndeko te na pasteur. Oh. Oh. Mais avant de devenir pasteur, vous devez d'abord être frère. Boko ma pasteur, c'est lui le besoin ça la ndeko. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est être un frère. Le pasteur est engagé par le père du frère pour que le pasteur donne la nourriture au frère. Mokengeli, ba pesie mon sala, na tata bandeko, po bandeko bozo bilei. C'est un travailleur. Pasteur aza mosali, mwana mosala. C'est un manque d'humilité. Ezandeko zanga komi kitisa. Amen. Amen. Pourquoi? Ponanini. La colombe était descendue sur l'agneau qui est Jésus-Christ. Ponanini benga kite likona mwana mpate likoba Yesu Christo. Parce que leur nature pouvait se marier. Po lolenge na bango mibale ezaki ndenge moko. Vous pouvez pas vous marier avec quelqu'un. Vous regardez le caractère. Ah, ngai na yeko simbate. Oko bana te moto tale ona miso bobite yena ngai ko simbate. Est-ce vrai? Ya solo. Vous devez bien regarder votre femme. Otali moi sto malamu. Ah. Na moni ndenge oyo azako donc tombera tombera dans to komi ensemble te ça marchera pas. Avec sa façon de se fâcher là et ko simbate. Il y a un frère qui m'a dit ça. Ndegomali mokoye psenga yango. Ah, pasteur. Pasteur. J'ai dit mais frère. Nabine ndegomali.
La femme t'aime. Moi si alingeyo. Elle dit, ah pasteur, vous me poussez dans un danger, pasteur. Mais moi je voulais vraiment que le mariage puisse avoir lieu. Dit pasteur, je t'aime beaucoup. Mais avec ce que je vois, je dis non. Vous pensez que moi je vais dire, hey, je vous oblige. Hein? Quand ça va pas marcher là-bas, il dit, ah, c'est le passé Baruch. Il faut que les deux caractères se marient. Moi et maman faux, mais c'est comme une personne. Ce que moi je dis. Allez lui poser la question même à 10 km. Elle dira la même chose. C'est comme ça qu'on se marie. La colombe est venue sur l'agneau. Quel bonheur. Celui-ci. C'est celui que j'aime. Écoutez-le. Jésus veut que chacun de nous, nous puissions devenir des agneaux. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur Dieu veut que nous soyons des agneaux. Vous croyez à cela? C'est pour cela que nous venons tout le temps ici. Pour que ta colère là puisse te quitter. Pour kanana yoana etikayo. Je vais lire un peu. Natanga moke. Pour que ta colère là puisse te quitter. Pour kanana yoana etikayo peyo. Il dit ceci. Alobi boy. Un agneau. Moi n'a pas été. Lorsque vient le temps. Koki, la laine qu'il a est à lui. Ma titi na ye wana, ezali ya ye moko. Il y a droit. Ezala koki na ye. Sa laine lui appartient. Ma titi na ye, ezala ye moko. Mais kasi, on prend cet agneau. On le met sur le bio. Batiel, Nicolas, Mesa, on lui attache les pattes. Bakangye, basingana makolo, il ne rue jamais. Non. Muet. Il ne fait pas d'histoire. Vous lui retirez tout simplement ses droits. Parce que c'est un agneau. Je suis en train de lire le paragraphe 44. Si c'était un bouc, vous aurez des difficultés. Ça m'étonne. Le bouc n'a même pas de laine. Taba. Taba au Mali. Attends, ma titi t'es dans le poisson. Mais vous essayez d'enlever ça, vous souffrirez. Soko meko la poil na yoko kapas. Mais l'agneau. Dans Simon apate. Vous retirez tout. Au cocolier nyonson. L'agneau est muet devant celui qui la tonde. Mon apate a fait la kimia. Les poissons la montage au kataye ma poil na yé. Il remet la vengeance à Dieu. Akotike te nzambe akata likambona ye. Asalinga boye. Il m'a fait ça. Oh, Akoye bangai. Il saura de quel bois je me chauffe. Alors vous n'êtes pas un agneau. Vous devez bénir ceux qui vous maudissent. Osengeli ko pambola. J'ai appelé ça le vendredi quoi? La perfection. Priez pour celui qui ne vous aime pas. Aimez vos ennemis. Linga bayininayo. Ça, c'est de l'agneau. Non, il a exagéré. Pour les ensembles là. Puisque je suis chrétien. Ah, il sera. Tout ça, ce sont des tests.
que Dieu place devant toi pour te changer. Pour changer ton caractère. Pour changer ta nature. Il te donne un mauvais mari. Il te donne une mauvaise femme. Il te donne un mauvais patron. Mais toi, tu supportes. Il te donne quelqu'un de ta famille qui te maudit. Même père, même mère, mais il t'aime pas. Il t'aime pas. Ne va pas prier pour sa mort. Demande à Dieu de te donner la force de supporter ça. Et continue à l'aimer. C'est ça la perfection. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas acheter ça avec l'argent. J'étais avec une sœur hier. C'est sa grande sœur qui lui dit, hey, bonsoir, mon tour à Bokomona. Vous avez acheté une voiture. Vous êtes dans mon, dans le creux de ma main. Vous allez voir. Ta grande sœur, oui. Yana la moi si yo. Qui te maudit parce que ton mari a acheté un. À laquelle on avait pas en bas la sœur de moi tu quoi. Moi je ne peux pas comprendre ça. Non, vous comprenez en quoi. Pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi n'en comprends-tu. Je suis un agneau. Pour n'avoir n'a pas été. Le sang qui coule dans leurs veines, c'est le même sang. Mais comment elle peut maudire sa petite sœur? Simplement parce que sa petite sœur est bénie financièrement. Je crois que vous le voyez dans les familles. C'est vrai. Il y a solo. Tu es béni comme ça et tout le monde est fâché. C'est quoi? C'est un test. C'est un examen. Prends ton bic. Et réponds. Je t'aime. Je te veux que du bien. Seigneur, protège-moi. Donne-moi la force de résister et de vaincre ce test. Je vais continuer à lire. Il dit ceci. Mais on prend un agneau. On le met sur un bio. Et on lui attache. Les pattes. Il ne rue jamais. Il ne fait pas d'histoire. Vous lui retirez simplement ses droits. Parce que c'est un agneau. Il ne tient peu. Il ne peut rien faire d'autre parce que c'est sa nature. Et là, comme ça, on sent les athées. Mais, mettez-vous une fois à travers du chemin d'un chrétien. Alors vous découvrirez si c'est un agneau ou un bouc. Vous le saurez. Vous saurez ce qu'il est. Contrarie-le. C'est pour voir qui il est. Il dit, yo, toi, tu blagues avec moi. Voilà. Zela. Zela nan. Ba manche ba niko gumba man. Non. Té. Nati ananou Yesu likolo anze. Ah, je vais accrocher Jésus sur un poteau là-bas. Alongoli Jésus a tiré le colon. Et il déshabille de Jésus et il place là-bas. Fabaruti, est-ce que c'est vrai? De quoi tu allais à Solon? C'est là où je vivais, non? N'est pas là où Bika. À Kapanga. Na Kapanga. Les autres bundaka, mais ce sont des frères. On va se battre aujourd'hui. Baza bandeko. Bandeko basi. Et pendant que je prêche ici, de quoi l'autre sœur est ici? Tiens, on a été à Boye, na bandeko moi si mon soeur Zaliao. Non, je vais accrocher Jésus sur un arbre. Et toi, tu sors. Et comme je suis chrétienne, non? Je l'ai déjà accroché. Là. Elle est revenue à Zungi, à Kangi, à Gwande, à Petilingwanda. Qu'elle se batte quand même. Ah, papa. Oh, papa. Maman. Maman. Quelle est ta vraie nature? Un chrétien? Osamo Christo? Tu seras toujours un chrétien. Osaka mon Christ. Tout près de la mort, tout près. Pembe na liwa penza.
Étienne regarde et il pardonne. Étienne a taliboué à l'imbissikaka. Du sang coulait partout. Oh Père. Oh Tata. N'impute pas ce péché à ces gens. Il savait qu'il n'allait plus survivre. Il a pas dit, hein? Ils m'ont fait ça. Ils vont voir. J'ai un Dieu qui va faire. Non. À Dieu la vengeance. Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Mais toi, Kasio, sois vraiment un agneau. Zala, penza mwana pate. Si vous avez compris, dites amen. 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 Contrôlez-le une fois. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos églises sont dans la condition où elles sont. Yango wana mangomba na biso leloyo e commandenge komi leloyo. C'est le paragraphe 44. Tukumine na mine. Nous sommes arrivés là parce que il y a beaucoup trop de quoi? De book. Tokomi bangomba mate banta babaleki mingi. De cochon bangulu. De quoi encore? De loup bambo ya zamba. Les agneaux sont très peu. Banampate baza moke penza. 45. Nous nous sommes appelés agneaux de Dieu. Les femmes et les hommes ensemble ont commencé à agir n'importe comment. Sauf comme des agneaux de Dieu. Regardez-les dans les rues. Avec leurs cheveux. Vous ne saurez pas que ça c'est une chrétienne. Mais Aiko Dendaka Malamu Penza. Mais elle sait bien dandiner. Talon c'est juste ici. Talon à 25 cm. Soke Salimo, hein, frère Mbala. Docteur Mbala. Docteur Mbala. Talon on a. Donne-leur un peu de conseil. Talon, pèse ça on a toli. Prodigue-leur de conseils s'il vous plaît. Talon. Le quoi la montazo pour moi. Bon, au talon, au babengi, au talon, zali talon, au bandine à 5 cm, tilikolo. Au-delà de 5 cm, c'est déjà un au talon. En dessous, il y a 5, voilà des babengi chaussures physiologiques. Nassé à 5 cm, des chaussures physiologiques. Et bon, il prend un autre à moto. Et l'ingolo, ce que vous tambo là, vous respectez la loi à l'okolo nzambatier. Quand tu marches, tu respectes la loi de la marche. Alors, ce que ça na haut talon, premièrement. Avec des hauts talons d'abord. Et j'ai exposé un traumatisme ya lokolo, ya cheville. Okopé sa bokolo na miku ya makolo na yo. Okosa la faux pas. Okosa la boukani. Betali bakupe au boukani. Deuxièmement. Ya mi balé. Il faut corriger courbir ya mukongo. Eko bebisa lolenge mokongo a moté salema. Obandi ko bela mokongo pas. Obano bela mokongo pas, tu auras. Troisièmement, ya misato. Ezali na ba implication na makolo na makila. Ah, ça empêche la bonne circulation sanguine. Au lieu que makila ezonga na motema normalement e bandi ko tikala na makolo. Au lieu du bon retour sanguin vers le cœur, mais tout reste vers le bas. Aso si de surcroît azali mwasi azana zemi toa uchikobota azana ba risque ya ba kayo ba thrombose facilement. Avec une femme qui vient d'accoucher ou qui une femme enceinte, il a des risques d'avoir des thromboses ou des cailloux. Mabanga meke meke makile salami na misisa na yo. Alors makile zo fanda ezo provoquer ba bengi ba varices, c'est-à-dire ba veine et yeminene, c'est-à-dire les baby. Les sangs qui se posent là font que tes veines deviennent un peu plus larges. Or, ba veine peut yeminene, les anabas risquent la thrombose. Et avec des veines comme ça, vous avez des risques de thrombose. Alors, thrombose, ça mabanga. Mabanga, on a mike, et ko longwa sikango, et keina poumon. Des thromboses, ce sont des petits cailloux qui peuvent monter jusqu'au poumon. Et provoquer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Pe saliete, pe manayo, et kangami pe, okufi. Et loko bango ba lingi yangwana. Pour les tuer. Pour les bomba bango. Je dis, mais c'est pas possible. Neta linga pumba boy, kasa zaka na se.
bandeko. Vous qui prenez les femmes. Bino bo lukarabasi. Bozwarabasi. Prenez les femmes nées de nouveau. Zwa moi si oya botem balasika. Amen. Amen. Bino bozo lukabasi. Misura na libanda ko talaka salibu. Des regards toujours dehors là-bas, à voir des, celles qui dandinent là. Prenez les femmes nées de nouveau. Boba la place au botem balasika. Je suis en train de lire le prophète. Na otanga nde mosakoli. C'est pas moi. Ngaité. Ngaya batu na zana kati ya makambona te. Je n'y ai pour rien là. Regardez-les dans les rues. Tala bangona ba balabala. Avec leurs cheveux coupés courts. Na basuki ba kata na seboy. Remplis de frisettes. Batoni sango ba kisu ba pomade. Et bientôt vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, vous enlevez les barrières. Vous commencez à faire des compromis avec la parole. Il commence à avoir des clans dans l'église. Oui. Les pasteurs souffrent. Si la fille d'un riche. Ce qui moi na moi si y a mozui. Comment une bêtise? Asalim beba. Le pasteur doit cacher ça. Mokengeli akobomba. Vous n'avez pas repris sa sous-dîme. Sinon, le riche ne va plus payer sa dîme. Et les riches conduisent l'église. Pe bazui batambon on est pas comment au kambabalo sambo. Il y a des barrières. Les régionalismes. Moi, tout bas. Vous commencez à voir, vous faire des compromis. Avoir des petits clans dans l'église. Quelqu'un dira, tu sais, le pasteur. C'est paragraphe 61. Tu sais, le pasteur. On rit. Oseki. Il a encore fait quoi? Ah, il a encore commis une autre erreur. Tu n'étais pas là aujourd'hui. Il a les quitté. Il a encore commis une erreur. Ah, ça c'est le bon galélo. Aza toujours au salaire inventaire, il y a erreur, il y a pasteur. Yé, mosala kaka kaye koton sa kaye na ba mabea mokengeli. N'entrez pas dans ce jeu-là. Kokota na makamba ndenge wana te. Un agneau. Moi na paté. Il va fuir. A okima. Et vous êtes mis à écouter ces choses. Le diacre a fait ça. Oh, il a fait ceci. Il a fait cela. Et vous vous êtes mis à écouter. C'est ça qui vous crée des ennuis. Il dit, c'est pour cela que vous avez tant d'ennuis. Dans la bakisi na ndako. Voilà de, non, le médicament. Mais là, oh, tu prends celui-ci avec tel sirop, tu ajoutes telle capsule. D'où ça vient? Et où tu vas? Dieu est en train de vous frapper. Quand vous écoutez, vous participez. Vous avez écouté le diable. Frère Madame dit, vous avez commencé à écouter le diable. Et à entendre un grognement. Au lieu d'écouter la voix douce de la colombe. La colombe qui voulait vous conduire. Qui voulait vous guider. La colombe que vous aimez. Qui veut vous bénir. Il vous dit c'est pas bien. Il parle contre le pasteur. C'est dans toutes les églises locales. C'est comme ça que le diable divise les églises locales. Il est dit qu'il faut frapper le berger. Et le pasteur. Le frère Bana m'a dit, je vais commettre des erreurs. J'avais lu ça le vendredi. Même les gens que vous venez de voter ici feront des erreurs. Il dit, si le président de la République commet une erreur, nous allons l'enlever. Nous allons le pardonner.
C'est pas vrai? Et ça été. On va lui pardonner l'erreur. Et il continuera son mandat. Père, combien de mandats n'aie? Ça c'est le prophète. Où est-ce que le Ah, il a exagéré. Ah, les guisines de l'eau. Non. Tu as écouté aujourd'hui. Où qu'il est l'eau, hein? C'est quoi? Ezanini. C'est un bouc. Azantaba. Il conduit l'agneau à l'abattoir. Ntabande a memaka mwana mpate po babo mwana mpate. L'agneau pense que mwana mpate kanisi ete. C'est une brebis. Et un tabo azantaba. Non. De. C'est un bouc. Azantaba. Il va aider celui qui tue les brebis. Azo sungande mobomi, mobomi na bampate. Pour amener l'agneau à l'abattoir. Po amme mwana mpate n'est-ce pas pour mwana mpate. Frère Balaam dit ceci au paragraphe 62. Dès que vous commencez à manifester de ce petit accès de colère, la colombe s'envole. Et benga, abimbwe. Oh non! Oh t'es! Pourquoi tu joues avec moi comme ça? La colombe est déjà partie. Et benga sakei. Toi tu penses qu'il est là? Non. Le Saint-Esprit n'est plus là. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a le contrôle de toutes les situations qui arrivent dans sa vie. Sous contrôle. Quand ça arrive, ça commence à le perturber. Il se met à genoux quelque part. Seigneur. Kolo. Seigneur. Kolo. Seigneur. Kolo. Et la paix revient dans son cœur. Est-ce que vous avez remis votre problème entre les mains de Dieu? Parce qu'une fois, Frère Madame était troublé. La dégérade le poursuivait. Comment je peux appeler ça? Les agents de l'impôt. Les gens de fisc. Les. DGLK. DGI ou DGLK? Non, l'impôt foncier, c'est DGLK. Ah, tu as signé le chèque. Ah, on signe le chèque. Tu dois 54 ou 56 000 dollars à l'État américain. On refoute à l'État américain 54 ou 56 000 dollars. 350 000. 350 000 dollars américains. Non. Frère, bah, je vous ai dit, je me prêche moi-même aussi. C'est pas facile. On se moque de vous comme ça. Bah, ça rend non, je n'ai pas pris cet argent. J'ai mis ça dans la campagne. Mais c'est toi qui avais signé. Vous, les juristes, vous dites que non, il a signé. Jusqu'à ce que les frères ont payé ça pour lui. Qui non, hein? Bande comme ça, foutez la qui. Mais qui l'avait aidé? Son épouse. Moi, Sinaï. Meda. Meda. Il dit, est-ce que tu as déjà prié? Albi. Aussi au Bondeli? Ya non. Même s'ils appellent ici, ne prends pas les téléphones. Je ne suis pas là. Meda dit. Meda l'obie, hein? Est-ce que tu as déjà prié? Mobile nango. Aussi au Bondeli? Non, cette histoire m'embête. Et puis après, quand Meda n'était pas là. C'est maintenant que Meda a bimi. Frère Badam s'est mis à genoux. Oh Dieu, pardonne-moi, je n'avais pas prié. Nzambe limbi sangai po na Bondeli kite. Dieu lui dit, mais tu dois prier. C'est un test, non? Oh Dieu, aide-moi. Mais on l'a aidé. Va vers ton père. Parle-lui. Moi, quand mes enfants ont des problèmes, ils viennent vers moi. Et je prie. Va vers ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est trop dur. Il t'aidera. Il a le contrôle de tout dans sa main. Quand tu agis par toi-même, comment est-ce que tu peux t'en sortir par toi-même? Non. C'est le diable qui te poursuit. Il veut que tu perdes ta vie spirituelle. Pour que tu n'entres pas au ciel.
Mais Dieu veut que tu puisses entrer au ciel. Il fera tout pour trouver la solution. Lorsque vous vous mettez à parler de votre à votre à parler d'un autre à votre prochain. Tango bandiko betali solo ya monto mosusu e pa na moninga na yoko tonga ye. Le Saint-Esprit, la colombe ne peut pas supporter ça. Moli mosantu ebenga akoyika ngompikote. La colombe ne va pas tolérer ça. Ebenga kondimangote. Tu le paragraphe 62. Tuku moto bana. Elle s'envole. Elle s'éloigne de toi. Oh, je suis spirituel. Voilà. J'ai déjà prié. Merci na bonne. Batonasu était revenu à la vie. Samson disait moi. Samson, oh, je veux tuer les Philistins. Zéro. Pourquoi? La colombe s'était déjà envolée. Et benga assez à pumba qui a cueilli. C'est la force de Dieu qui tuait les Philistins. Makasi anza menez ako bomba Philistins. Quand il a effreint la loi, fini. Tanga bugai mobeko et sili. La colombe l'a quitté. Et benga tika ki. La colombe ne se tiendra sur rien du tout qui soit contraire à la nature de la colombe elle-même. Et benga akotika la tamo kolombe kote ko kitana likona moto azan lolenge ebengate. Ne l'oubliez pas. Le prédicateur ne vous changera pas. Bobo sanatete mote ite mota bongola yo. Vous devez vous changer vous-même. Yo moko ndio sengi ko bongwana. Est-ce que vous aimez Dieu? Olingaka nzambe? Alors enlevez ce côté qui est mauvais. Demandez à Dieu de vous enlever ça. Enlevez la nature qui n'est pas bien. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Dieu peut émonder et couper les branches pour que tu puisses redevenir meilleur. Il est en train de le faire maintenant. Je crois que vous le sentez. Dieu ne veut pas vous tuer. Il ne veut pas votre mort. Il ne veut pas votre mort. Mais il veut que vous puissiez porter des fruits. Quand on parle de l'arbre, ce n'est pas l'arbre. C'est l'homme. C'est toi. Tu dois porter des fruits dignes de la repentance. Il y a un ciel à gagner. Est-ce que tu vas aller au ciel tel que tu es là? Avec cette mauvaise nature? Non. Vous avez compris, je pense. Ma leçon n'est pas difficile. Si vous portez des fruits, Dieu sera content. Donc vous êtes les branches. Le tronc, c'est Jésus. Le tronc ne se voit pas. Le tronc ne portera pas de fruits. Mais c'est nous qui devons porter des fruits. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. L'agneau était un agneau silencieux. La Bible dit qu'il n'ouvrit pas la bouche. Comme la brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'était pas un homme qui réclamait ses droits. Non, monsieur. Il était prêt à perdre ses droits. Jésus.
Yesu était un agneau silencieux. Azaki mwana mpate ya kimia. Et des fois on parle trop. Mbala mingi tolobaka pe mingi koleka. Celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Moto alobaka mingi asala na sumu mingi auzanga lisumu te. Kangana nu. Mettez placer un peu de bride. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Nalobi di kambo. N'écoutez pas le diable. Koyokazaboloté. Le premier péché commença par quelqu'un qui a écouté le diable. Il s'est arrêté pour écouter. Oh, ça va pas à l'église, hein? Ça va pas à l'église. Koyokazaboloté. Po lisumu aliboso ekota ki pona moto moko atelemaki pe bani koyokazabolo. Ah, nalosa mwana mino makambo esimba te et tambola te. C'est simplement ce que le diable veut. Yango penzane ozabola lingi. L'église Lingomba, c'est toi. Ezayo. L'église, Lingomba, c'est moi. Ezangai. Personne ne peut critiquer son propre corps. Moto ata moko ta kotonga nzoto na ye moko. Peu importe la bassesse de quelqu'un. Ata moto za na mabe boni. Vous devez premièrement prier pour lui. Et non pas le critiquer. S'il ne change pas, allez vers lui. C'est écrit dans la Bible. Et comme même la Bible. On ne peut prier que pour quelqu'un qu'on aime. Mais il ne change pas. Allez le voir. Parlez avec amour. Tu ne changes pas. Voyez amener un témoin. Commencez la procédure. Mais dans le cœur, vous n'avez pas la haine. Il n'a pas de place dans mon cœur, lui. Ah, frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton frère. Ah, et tu le dis comme ça. Et nous ne voulons pas de ça dans nos églises chrétiennes. Nous ne voulons pas de ça. C'est ça qui divise l'église pentecôtiste. L'église de réveil. C'est là où le diable vient pour placer le régionalisme. Nabikolo. J'étais pentecôtiste. N'a pentecôtiste. Ah. Tolingi muluba te. On veut pas des muluba sur nous ici. J'ai dit où? C'est quoi ça? On doit mettre mon Congo, j'ai dit. Tout ça mon Congo. Oh là là. Oh sousunini. C'est quelle église comme ça? Le Saint-Bonino est beau. L'église ne regarde pas aux tribus. L'ingomba est à la radicole, t'es? Non. T'es? Moi je suis pygmé. Naza motoa. Mais je suis pasteur ici. Parce que Mokengeliao. Quand j'ai dit ça à Batsoa, ils étaient étonnés. Parce que je suis un pygmé. Quand j'ai prêché à Mbandaka, Mbandaka, je vais vous faire rire un peu. Je vois que vous êtes un peu figé. Paul était un peu bête, Makas. J'ai prêché à Mbandaka. Alors beaucoup de personnes avaient reçu le Seigneur. Beaucoup. Plus de 200-300. J'étais heureux. On m'a dit leur péché. Ils n'aiment pas les Batsois. J'ai dit ah bon? Comme ils ont accepté Jésus, ils vont aimer les Batsois. Je leur ai dit, répétez après moi, j'aime les Batsois. Non! Ils viennent à peine de croire. Peut-être que n'a pas bien entendu là. J'aime les pygmées. Non! Ah, non, là j'arrête. Je risque de les perdre. Répétez. Acclamez le Seigneur Jésus. Quand vous venez à Jésus, les tribus meurent.
Nous sommes dans la tribu de Jésus-Christ. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Dans nos veines coule le sang de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes au-dessus de toutes ces tribus-là. Au-dessus de toutes les nations. Alléluia. Amen. Nous sommes divins. Mais oui, on peut dire Jésus de Nazareth, ça va. Bon, donc on va appeler Jésus à Nazareth, ma belle zate. Mais il faut aimer tout le monde. Acclamez le Seigneur Jésus. Ma boko po nankolo Yesu. C'est pour cela qu'il y a ce gâchis dans les églises. Parce qu'ils sont tous, tout sauf agneau. Ils sont tout. Baza nyonso. Sauf agneau. Je vais chercher le paragraphe 90 ici. C'est terrible. Esa matata. Le Dieu tout-puissant vous a parlé ce matin. Nzambe na ngoya nyoso ndalo bebi na tongo aleluya. Vous croyez à cela? Bondimi yango. C'est paragraphe 90. Tukulibwa. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements. Yango ana bato ba konguluma boye. Toutes les églises. Mango mwana suka nungu nungu. Quand vous allez, vous pensez qu'ils sont bien. Hein? Il y a une maladie à l'intérieur. Quand vous n'êtes pas tous derrière votre pasteur, il y a la maladie qui commence. Le grognement. Tout ce chichi, chichi, chichi. Et toutes ces médisances. Et toutes ces histoires dans l'église. C'est ce qui divise l'église. Cela montre que le diable est entré. Où? En vous. Vous avez pris part. Est-ce que vous êtes derrière le pasteur? Oh non. Oh, moi ce pasteur là. Je n'aime pas. Le diable est entré en vous. Je crois que c'est clair, non? Et que le Saint-Esprit vous a quitté. Là, il n'y a pas de parabole. Paragraphe 90. Il n'y a pas d'agneau. Il n'y a pas de colombe. Non, il y a le Saint-Esprit qui vous a quitté. Et les gens sortent et font des églises. Et ils sont déjà dans l'erreur. Perdus. Frère Banam dit, je sais que certains d'entre vous, ces paroles font l'effet d'une raclée. Est-ce que c'est vrai? C'est la pure vérité. C'est une raclée. Taf, taf. C'est celui qui vous frappe. Pour que vous puissiez sortir la mauvaise nature. Et avoir la nature d'un agneau. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Retirez cette chose là. La colère, Kanda, la critique, Matongi, la mauvaise vie, Mabomo, et la colombe rentrera. Pe ebenga, la colombe reviendra dans votre cœur. Retirez la colère. Longola, Kanda. Frère, j'étais colérique. Ndeko, ngana zaka, moto a Kanda. Kokwa salinga bo Leonard oza mobali kitoko fungola elongi. C'est ce que son grand-père lui disait, sa grand-mère. Non, ma grand-mère. Sa grand-mère lui disait. Kibibi. Kibibi. Mais je n'ai vu qu'un papa fâché tous les jours. Bon, papa nanga na kota la kaka na ko moneka tanso asilika libela.
Bon, moi je serai comment? Fâché tous les jours. C'est un mauvais esprit. Revenez à la nuit. Et Dieu reviendra en vous. Je parle au Branham Tabernacle. Nazolo bela Branham Tabernacle. Je ne parle pas à vous qui avez d'autres églises. Nazolo bela bino mosusu te bozana mangoma mosusu. Je parle à Branham Tabernacle. Nazolo bana Branham Tabernacle. C'est ce qui se passe ici. Yangonde au Salem et Salem akawa. Moi je parle à toutes les églises qui m'écoutent. Nazolo bela mangoma non sozo kangai. Dans le monde entier. Na mokilimo bimba. À l'internet. Na internet. À la télévision. La télévision. À la radio. La radio. C'est ce qui se place dans nos églises. Yangonde au Salem na balosambo na biso. Vous voulez que le réveil continue? Bolingi kola mugaye koba. Priez pour que la colombe revienne. Bonde la peau et benga. Bobonde la peau et benga et zonga. Priez pour que les critiques quittent l'église. Bobonde la peau matongi et bimanalingomba. Priez. Bobonde la. Pour que l'amour revienne dans l'église. Bobolingo et zonga na lingomba. Retournez à la nature de Dieu. Bozonga na lolenge ya nzambe. La nature de l'agneau. Lolenge ya mwana pate. Je crois que vous me comprenez très bien. Ça ne demande pas que je dessine, c'est très clair. Celui qui ira dans l'enlèvement le sait. C'est celui qui peut aimer son ennemi. Ça, c'est un secret? Non. Tiens. C'est le Saint-Esprit qui vous parle directement. Merci beaucoup. N'attendez pas nos L'ennui, moi n'a pas dit. Apporte la paix dans l'église. A paix saka kimia dans l'ingomba. Il parle de ce que Dieu a fait avec lui. A kolobela oyo nzambe asali na ye. Et celui qui l'écoute est vraiment dans la paix, dans la joie. L'agneau ne peut pas troubler l'église. L'agneau ne peut pas scandaliser l'église. Je crois que je suis presque à la fin. Repentez-vous. Et revenez à la nature de l'agneau. Je ne veux pas aller plus loin. Vous savez que ce que vous faites avec vos téléphones. Laissez ça. Venez à Jésus. Vous savez ce que vous faites avec vos ordinateurs. Un agneau ne peut pas faire ça. Laissez ces choses-là. Tika makambo ana. Revenez à Jésus. Fe zonga epa na Yesu. Il vous attend. Azako zela bino. Je ferme mon cahier. Nakangi buku na ngai. Il vous attend. Azako zela bino. Combien ont senti que Dieu leur a parlé ce matin? Boni ba okay te na tongo nzambe alobeli bango. Même moi-même. Atanga imoko. Nous voulons qu'un jour nous puissions entrer au ciel. Il faut que notre nature change. La nature ne changera pas là au paradis. Après l'enlèvement. Non, c'est la même personne. C'est comme quelqu'un qui quitte ici, qui va en Europe. C'est la même personne. Avec les mêmes fruits. Nambu mandenge moko. Mais il faut changer maintenant. Kasi bongwana ndesikoyo. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur maintenant. Opesa bongwana nkolo sikasikoyo. Je crois que j'ai terminé. Nabanzi na silisi. Vous avez compris la parabole? Ososoli se senangai. Je n'appelle pas tout le monde. Nabengi batonyo sauté. Je veux faire comme je fais souvent à l'extérieur.
Celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et qui veut le recevoir aujourd'hui. Venez ici devant. Que Dieu vous bénisse. Qui encore veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Vous serez baptisé aujourd'hui. Venez ici devant celui qui veut recevoir Jésus aujourd'hui. Dans mon cœur, il y a la haine. Ô Seigneur, garde-moi de tous ces péchés. Apprends-moi à aimer.
Seigneur Jésus vous a appelé. C'est pas moi, c'est lui qui a touché vos cœurs. Priez, demandez-lui un changement. Dis à Jésus quelque chose aujourd'hui. C'est lui qui t'a touché. C'est lui qui t'a amené ici. Devant. Parle-lui. Dis-lui, je veux changer. Dis-lui, j'accepte Jésus. Comme notre sauveur personnel. Dans mon cœur, il y a la critique. Oh Seigneur, garde-moi de tous ces péchés. Apprends-moi. Je t'ai aimé. Demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Parlez à Jésus. Oh, oh. Je veux. Chaque personne, Simba moto moko na moko. Celui qui veut le Saint-Esprit, qui soit rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Soyez rempli du Saint-Esprit. Boton di samana bali monsantu. Que la colombe revienne. Ebenga zonga. Que le réveil revienne. Kola muka ezonga. Dans votre vie. Na bomo inayo. Que la vie de prière revienne. Bomo ya mabonde li ezonga. Dans votre vie. Na bomo inayo. Que la victoire chrétienne revienne. Elonga nzambe ezonga katnayo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Redevenez des agneaux. Redevenez des agneaux. Devenez encore des agneaux. Bonjour à vos alabans à pâté. Que la nature de l'agneau revienne. Le lingue à moi à pâté et zonga. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que la vie de prière revienne. Bombo ya ma bonne li zonga. Que la victoire revienne. Elonga et zonga. Que la vie de Dieu revienne. Bombo ya nzambe et zonga. Dans votre vie de chaque jour. Que vous puissiez marcher encore comme des chrétiens. Seigneur. Envoie le Saint-Esprit. Pour arrêter les critiques. Au milieu des peuples de Dieu. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir l'église du Dieu vivant, le corps mystique du Seigneur Jésus et toutes les assemblées locales qui croient en Jésus, qui soient guéris par cette prédication. Merci Seigneur.
Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, dans le nom précieux de Jésus. Vous allez répéter après moi. Nzambe tata na biso zana likolo. Toyoki liloba na yo. Toye ndenge tozali. Tondimi. Yesu akufaki po na biso. Bongo na biso. Toboyi Satana. Toponi liloba na Nzambe. Toponi Yesu Kristo. Pesa biso molimo santo. Lelo. Tobikisami. Bomo ina biso. Ebongwana. Tobiki. Tondimi yango. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Vous pouvez rentrer. Que le diacre s'occupe de vous. Et le diacre les amène aux eaux du baptême. Kolo Yesu aboya kamo. Atayo jali mape. Akobe gayo so boya Akobo bolayo okoma mosan.